tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le déballage du câble Thunderbolt vers Ethernet. Alors le câble il coûte déjà 35 €, donc moi je l'ai acheté à la Fnac. Donc toujours le packaging Apple, blanc avec bien sûr les indications en plusieurs langues. Voilà pour le descriptif du produit. On va déjà commencer par le déballage. Alors, hop, c'est vraiment tout simple. Vous retirez ça, on retire. Et voilà le petit câble qui arrive. Voilà. Alors, tout simplement, on a le câble Ethernet. Voilà, donc Thunderbolt vers Ethernet. Donc, on va le décrocher. Voilà. Alors, regardez ça de plus près. Alors, on a le côté Thunderbolt, voilà, donc qui se branche sur un port Thunderbolt que vous avez sur vos MacBooks et autres produits comme iMac par exemple. Et de l'autre côté, on a donc le port Ethernet, voilà, qui se branche avec un câble Ethernet que vous mettez bien sûr à l'intérieur, voilà, ici. Donc pour en plus en détail, ensuite dans la boîte, on a donc d'autres les informations. Voilà. On a également le petit manuel, voilà, pour comment est-ce qu'on branche ça. Donc peu d'informations puisque c'est assez simple. Et on a encore, et c'est tout. Voilà. Et comme on voit à l'arrière de la boîte, il vous montre comment le brancher. Donc on a bien dit le câble Thunderbolt donc sur le MacBook. Et le câble Ethernet, donc que voici, qui se branche bien sûr par exemple à une Xbox ou à un modem, routeur, sur l'autre côté du câble. Et en pratique, ça donne ceci. Hop, on va prendre le MacBook. Voilà. Du côté, vous avez Thunderbolt. Voilà, que vous branchez. Voilà, ici. Donc bien sûr, bien regarder le côté. Et voilà, que vous branchez. Ici, et de l'autre côté, vous branchez le câble Ethernet, donc les câbles RJ45, voilà, du côté là, c'est tout, tout simplement. Alors voilà, donc j'espère, c'était vraiment une petite vidéo pour le déballage du câble donc Thunderbolt vers Ethernet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'en ferai bien sûr d'autres sur d'autres produits Apple, comme le déballage du câble VGA vers Thunderbolt. Voilà. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime.